Pouf pouf YouTube, comment allez-vous? On se retrouve pour mon épisode 17 de mon let's play sur South Park, le bâton de la vérité. Nous sommes au Canada et on est en train de jouer à un vieux jeu qui était sorti il y a 10 ans, on dirait. C'est un mix entre Pokémon, Zelda et plein d'autres jeux. Donc voilà, donc c'est un gros doigt d'honneur au Canada. Donc à mon avis, ça doit pas faire méga plaisir aux Canadiens, mais bon, c'est... Voilà, ça pourrait être pire. Le jeu pourrait être en noir et blanc. Donc voilà, encore un sacré clin d'œil. Alors maintenant, on devait aller buter le mec dans le comté de Banff, là-haut. Avec ce serpent de merde. Voilà. Hop là, je t'ai niqué. On va aller buter le mec. On fait la meilleure sodomie. Oh là là, c'est quoi ça? Mon dieu. Ils ont osé. Alors bon, on va se balader un petit peu, on n'est pas des animaux. Alors, qu'est-ce que t'as à me vendre? Allez, hop, reset du chronomètre, les gens. Voilà, on est reparti. Alors, en consommable, on s'en fout, en armes. On s'en fout aussi, en fait, on va rien acheter, on s'en fout. On va vite se dépêcher de retourner aux États-Unis, parce que les États-Unis, c'est mieux. Alors... Oh putain, la taille du bordel, et là il y a un coffre. Je suppose que c'est fermé à clé. Ok. On va parler aux gens peut-être avant de commencer à tuer l'évêque. Hein, parce que sinon, ça va mal finir. Ok, allez, hop, viens prendre ta raclée. Je lui ai même pas parlé. Direct, bam, coup d'épée dans ta gueule. Allez, moi je mise sur les 15 000 de points de vie. Ah, il en a 16 000. Immunisé contre magie, forcément. On comprend facilement pourquoi. Et mon chat est en train de se réveiller. Vous l'entendez sûrement derrière. Bon bah mec, on va te défoncer ta gueule. Voilà, hop, potion de fortitude. Je vais te faire 3 coups d'épée. Tu vas rien comprendre. Tu sauras plus où t'habites. Allez, hop. Voilà, boum, dans ta gueule. Capitaine K.O. Qu'allez-vous faire, Capitaine K.O.? Eh ben, vous allez... Enfin, professeur K.O. Je mélange tout le temps. C'est parti. Allez, professeur K.O., en avant. Détruis-moi cet évêque. Drain de vie. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. C'est beau. Allez, attention, jugement. Oh, le salaud, il m'a pété au visage. Salaud. On va peut-être lui mettre un petit truc de feu pour que ça le crame de temps en temps. Hop là. Est-ce que je peux réattaquer? Non, on peut pas réattaquer. C'est parti. Voilà, boum. Purification de la vermine. Ah merde, j'ai oublié d'appuyer sur A. C'est pas grave. En avant. Avec la musique qui est un remix de Skyrim de temps en temps. Exactement, du South Park jusqu'à ce que j'ai fini le jeu. Et s'il y en a qui n'ont toujours pas compris, j'aimerais expliquer pourquoi. Tout simplement parce que si je change de jeu et que je commence à faire autre chose, je ne rejouerai jamais à South Park. Vu que j'ai trop de jeux, donc si je commence à me perdre dans les jeux... Ça va pas aller, du coup je reste à fond sur ce jeu, c'est un jeu que j'attendais impatiemment, donc bon, je me dois moins de le finir. Du coup, je reste dessus et c'est tout. Putain, il s'est heal ce gros bâtard. Ouais, il s'est heal. C'est pas grave, on va lui faire une serve hébraïque. Oh là, mec, tu vas souffrir. Hop là, là t'as pris cher. Allez, Butters, en avant. Voilà, dans ta gueule. Jugement des Philistins. Ça a sûrement un rapport avec l'histoire, son attaque, là. Mais bon, je pourrais pas vous dire laquelle. Voilà. Peut-être que Jésus va revenir. Hein. Parce que là, on est en train de tuer un homme d'église, quand même. Oh, il a fui. Ah, mais on doit récupérer ses gros lots. Ah, non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'achève ou est-ce qu'on prend les testicules? Les gens, choix. Alors, soit on l'achève et on prend ses vrais testicules, soit on le laisse fuir et on prend les testicules de cochon.
Sur la gauche, il y a une plaque au sol, faut marcher dessus pour voir le coffre. Ok. Alors les gens, que fait-on? Que fait-on? Que fait-on? Niveau... En effet, j'ai vu la plaque de pression, on va aller voir. Achève-le, achève-le, ça marche. On l'achève, c'est parti. Avec la petite musique là, retournez voir le prince. J'ai l'impression de jouer un vieux jeu 8 bits là. En plus, l'autre fois, j'ai vu un tuto de RPG Maker. Ça me fait penser à ça. Et voilà, bien joué les gens. Bien joué. Hop. Oh putain, il y en a des trucs. Disque de saignement. Bon voilà, maintenant on retourne au début. Oh là là. Comment ça me casse les couilles qu'on passe son temps à se balader comme ça. Vous pouvez pas imaginer. Non l'ours, on s'en fout. Voilà. On remonte tout là-haut. Alors pour info, encore une fois, un gamin de 9 ans habillé en fillette a découpé les couilles d'un évêque. Voilà, ça ne choque personne. Oui, on l'a tué. Oh. Quel bâtard. Chut. Oh, je vais lui faire la peau, mec, là. Ok. Allez, retrouvez le duc de Vancouver. C'est parti pour la balade. Oh là là. Heureusement qu'on peut courir. Hein. Sinon, ce serait trop long. Hein. Péter des câbles. Allez, Vancouver, c'est parti. C'est quoi ces serpents? Depuis quand il y a des serpents au Canada? Je sais pas qu'il y avait des serpents là-haut. Alors, s'il y a des bugs, les gens, faut faire F5. Alors un mec qui est habillé en tenue de... En tenue d'hockey. Alors, c'est parti, on perd pas de temps. Ah, on dirait qu'il y a un truc sous le vase là. Non, y a rien. C'est parti. Bonjour. Ah, y a un truc là. Bon, ça te dérange pas si je casse ta maison? Ah, une barbe de barbare. Enfin, un casque de barbare. Une hache crantée de déchirement. Putain, c'est quoi ces armes? On va voir ce que c'est. Ah, c'est pas aussi fort que ce que j'ai déjà dans les mains. Par contre, ça, c'est fort. Affaiblit l'attaque ennemie en cas de frappe parfaite. Ah, dégâts de feu, c'est pas mal. Ajoute 100 dégâts d'écœurement en cas d'attaque parfaite. Allez hop, 100 dégâts d'écœurement, c'est pas mal. Tac. Ah oui, tiens, puis j'ai eu un. On a eu un nouveau truc. Et voilà, et on n'est pas beau gosse comme ça, les gens. On n'est pas beau gosse. Allez, go! Allez, raccroche ton téléphone, prends ma lettre. Ouais, on aurait pu la lire la lettre. Moi je l'aurais traduit la lettre. Ça aurait été plus rapide quand même. Ça aurait été plus rapide quand même. Putain, je vais devoir me faire chier à faire tout le tour. Pays de merde. Pays de merde. Allez, on est reparti. Pour un mauvais tour. Genre on prend un bateau là. Oh, j'ai honte, ils ont osé. Oh, Terence et Philippe! Ouais! Terence et Philippe! On va leur péter à la gueule, ça va leur faire plaisir. Ça va leur faire plaisir. Ils aiment bien Terence et Philippe quand ils se pètent à la gueule comme ça. Ah, c'est quoi ça?
Un tesson pixelisé. Ok, bon, trop bien. On a trouvé Terence et Philippe. Pareil, des persos assez importants dans l'univers de South Park, étant donné que c'est les héros de Cartman, de Kyle, de Kenny et tout ça. Ils ont fait des films, les culs en feu, je crois. Ah, donc, voilà, donc des persos assez importants quand même dans l'univers de South Park. Allez, hop. Putain, je reviens pas. Comment ils se foutent de la gueule du Canada. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Allez, maintenant on va où? Ah oui, on doit aller voir les moines. Oh, je sais même pas. Enfin, on se balade tellement sur cette carte que je sais même pas où il faut qu'on aille. Alors. Lancer le cri du dragon sur Philippe. Partez en quête des mystérieux moines vivant au sud-est de Vancouver. Lancer le cri du dragon sur Philippe. Ah bah, Philippe, il est là-haut. Allez, on va faire notre paix sur lui. C'était épée, Trevor et Philippe. Trevor et Philippe, pourquoi j'ai dit quoi? Terence et Philippe. Bah si, c'est Terence et Philippe, hein. Et pas Trevor. Trevor, non, ça ne dit rien, c'est Terence. Hein. Terence et Philippe. Fichtre. Il est où ton mari, là, bonne femme? Ok. Oh, la merde où? Putain, il est où ce con? Ah, TP dans GTA, Trevor Philippe, pas d'accord. Okay, je n'avais pas compris que tu parlais de GTA. On va aller sur île. Voilà, super, mon test de dépistage est négatif. Bon, le roi, il est où là? Ça commence à être casse-couille à se balader sur cette carte de merde. Alors, attendez, parce qu'on va jamais y arriver. Lancer le cri du dragon sur Philippe. Le mec, il est passé où? Retourne voir Terence et Philippe et fait le P du cri des dragons dessus. Maintenant. Ah oui, il lance le cri sur Philippe. C'est vrai, c'est Terence et Philippe. C'est ceux là-haut. Oh putain. Oh la fatigue. La fatigue. La fatigue, les gens. Allez. On recommence. Hop. Voilà, on y retourne. Hop, 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 hop. Alors, un cri du dragon. Ah, c'est bon. Ils sont sérieux, je suis revenu pour faire cette connerie là. Quête. Lancer le sort de flatulence, ah, ok. Voilà, je leur ai fait la totale. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Pour tromper Philippe. Ah, c'est bon. Oh, les salauds, ouais. Jésus, c'est toi? Avec la vieille musique 8 bits, là? Non. À la Matrix. But now you must learn to control your anus muscles in just the right way to change a spell's frequency. Some objects seem too large to be damaged by magic, but now I will break through it with Nagasaki. N'importe quoi.
Here, watch again. N'importe quoi. Alors va-t-on y réussir du premier coup, les gens? Oh, du premier coup, c'est beau. Nakazaki. Trois pédophiles d'Alberta. N'importe quoi. Mon Dieu, coucou à ceux qui arrivent. Ça va bien, les gens. Ça va bien. Alors, c'est bon, on a fini cette connerie, là. Sauvez le ministre, maintenant. Oh, putain, c'est chiant. Les allers-retours, là. Allez, ministre, en avant. Ministre, il est où, d'ailleurs? On a un truc. Voilà, comme ça, ça s'est appris. Alors, quête. Allez aux catacombes du Québec et utilisez votre nouveau pays pour secourir le ministre de Montréal et lui demander de traduire le doc. Ça marche. En avant. En avant, Guingamp. Alors, on doit aller là-haut. Allez, hop là, je t'ai fail. Ouais, j'ai réussi à le fail. Le Canada est long et complet quand même. Ouais, mais c'est long. Oh putain, on serait dans la grotte Pokémon là. Nagasaki. Ok, j'ai pas compris. Alors attendez, vous avez la bonne fréquence, maintenez L enfoncé jusqu'à ce que... Enfoncé sur ce point G jusqu'à ce que l'objet soit détruit. Ah, enfin! Oh putain, c'est quoi cette connerie là? Ok, là à mon avis ça sent les animaux là. Cette casque. Allez, venez! Allez, viens! On va devoir se battre contre deux loups, deux ours et deux serpents. Oh, je sais pas comment ça marche en dehors, putain. Oh, j'ai réussi! Oh, j'ai réussi à passer! Incroyable. Je sais pas si vous avez vu le nombre de bestioles qu'il y avait devant quand même. Ah, un armure, c'est pas mal ça. Boum! Eh hey, appelle-moi... comment il s'appelle? Dova King. Bim! Skyrim RPZ. Allez, c'est bon. Enfin, traduis-moi tout ça. Ouais, c'est du français ce qu'il dit, on comprend, hein. Voilà, on a des amis, on a des amis. Quête accomplie au Canada, enfin. Tabernac. C'était bien long quand même. C'était bien long, j'ai aucune envie de le refaire. On va sauvegarder parce que... C'était bien long. Oh, putain. Je crois qu'on allait jamais y arriver. Voilà, alors, au niveau des quêtes, des missions, qu'est-ce que ça nous dit? Rapporter le document traduit à Annie. Allez. Oh, comment je t'ai niqué! Oh, j'ai aucune envie de me battre avec les ours et tout ça. Il y en a trop, hein. Le combat, il va prendre 500 ans, là.
Voilà. Allez, Canada de merde, on s'en va. Il parle français, tabernacle. Allez, à plus dans le bus. À demain dans le métro. Alors, normalement, si je vais tout droit, je vais retourner. Ah, c'est beau. Ok, bon, vous voyez, je savais pas. Je savais pas que quand on allait tout droit, on allait là-haut. Et quand on allait tout là. Normalement, il y a un truc avec la clochette, mais j'ai jamais réussi. Ah! C'est elle? Non, ils sont sérieux, c'est tout? Ok. Ça, c'était du combat intense, ces gens, ça. Donc, pour aller au Canada, tout droit, pour revenir ici, il faut aller tout en bas, je ne le savais pas. Voilà, vous m'avez appris quelque chose. C'est pour ça qu'en même temps, je fais mes streams en live, comme ça, si jamais je bloque, et bah, voilà, je me demande ce qu'il faut faire. Ma connexion en carton me fait rager. Bah, tu peux mettre du 380p, hein. Parce que sur Dailymotion, je stream en 720 et en 380. Voilà. Allez, bébé, c'est bon. On y va. Ça commence à être long, la quête, là. C'est parti. C'est parti, c'est parti. On est déjà à 17 épisodes de tournée. Hein. Ça, c'est beau quand même. Je vais tout re-upload sur la chaîne ce soir. Ah. Ah, c'est bien des filles. C'est bien des filles. Sunshine! Enfin! Bébé, Wendy, toute la clique. Allez, à plus dans le bus. À demain dans le métro. Allez, hop. Et hop, on va tous se les faire là. Shinpokomon, les gens. Je sais pas si vous avez vu, il y avait un Shinpokomon. Ça va s'afficher, je l'ai pris. Vous inquiétez pas, ça va s'afficher. Voilà, souris cureuil, je vous l'avais dit qu'il y avait un Shinpokomon. Il était en bas à gauche, mais il y avait tellement de trucs que... Et qu'est-ce qu'une fille peut bien vendre? Une lame de princesse féerique, mais tu m'as pris pour qui, et meuf? Ah. Un chancrane. C'est l'air pas mal ça quand même, hein. On va l'acheter, on va se l'équiper. Voilà, 9 demandes d'amis. Hop là. Voilà, j'ai 75 et je suis toujours célibataire. Putain, 500 x 6. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Ça, c'est bien. Alors, on va lui mettre un putain de truc de la mort qui tue. Dose. Ajoute 3 saignements en cas d'attaque parfaite. Allez. Voilà, c'est bon. Allez, à plus. C'est bon, les filles. Enfin, je suis revenu en France. Enfin, aux États-Unis, plutôt dans la petite ville de South Park. Comment change-t-on la qualité? Il suffit que tu appuies sur le petit 720 qui s'affiche à l'écran, tu cliques sur 380. C'est qui entre les filles et les gothiques sont le plus difficiles à recruter? Bah en fait... Ah, on sort des toilettes des filles! Je sais où est votre cachette, les filles! Lolé. Bon voilà, je disais que c'était dans l'école, en fait non. Leur cachette est dans les toilettes qui sont dans le parc. Ça marche. Alors. Sauvegarde. Voilà. Alors maintenant, la quête, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Retournez voir Kyle. Ok, on retourne voir Kyle. C'est parti. Hop. Alors, voilà, c'est là. J'avais un doute, justement, mais à chaque fois, son père, il déneige devant. Donc, en fait, c'est assez simple à trouver. C'est parti. Et je crois que c'était Terence et Philippe à la télé, d'ailleurs. Allez, c'est bon, Kyle. Ouais! Hourra!
talk is over. Let us all make haste to Clartas. Ah, le combat final. Alors. Oh, comme c'est joli. Il a fait un de ces trucs dans son jardin. C'est aussi gros que sa maison ce qu'il a fait. Sur YouTube. Ah, il est encore là, lui. Kevin, God damn it. Every fucking time, Kevin. Kevin. God fucking damn it, seriously. I'm sorry. Armée de justice. Armée de la justice en avant. Allons désinguer Clyde. Banzai. Oh, on est beaucoup quand même, hein. Putain. Oh, t'imagines, tu t'ouvres ta porte, il y a 50 gamins de 9 ans qui rentrent chez toi. Allez, c'est parti! Alors, c'est quand même bien fait ce qu'il a fait. Battez Clyde, ça marche. Alors, attendez, parce que, hein, on va faire... Frayez-vous un chemin. Ok, ça marche. Donc, on doit tuer Clyde. On n'a pas de pouvoir, on n'a pas de truc dans la... Ah si! On avait trouvé ça. Et ça, c'est bien. Voilà, là, je suis full stuff. Armure de Valkyrie, sinon. Non. Lol. On dirait une princesse. Alors, attendez. On dirait une princesse, mais ça soigne pas mal quand même, hein. Allez, une barbichette. C'est étonnant qu'on n'ait pas eu la truc d'Adolphe. Ou des couilles. Et ça fait une branlette espagnole. Enfin, bref. Bon allez, on va rester comme ça. On va se battre comme ça. On va peut-être mettre la petite tenue qu'on avait là. Hé, princesse Zelda. Comme je suis trop belle. On dirait une meuf, mais en fait c'est un petit garçon. Un petit garçon de 9 ans qui cherche... qui a des petits soucis dans sa tête. Allez, princesse en avant. À mon avis, on va faire un Nagasaki dans sa gueule. Merde. Voilà, enfin. Nagasaki en avant. Non. Non, reviens grand, s'il te plaît. Pff, je me suis merdouillé. Voilà. Là. Bon, on va leur faire un Nagasaki dans leur gueule, là. Un cri du dragon. Non, on va devoir aller là-haut d'abord. Voilà. Ah, il y a un truc là. Faut se mettre en petit aussi. Voilà. Quoi, ils sont encore là, eux? Eh, c'est pas possible, hein. Oh putain, on s'est attaqué par un putain de rat maintenant. Bientôt 20 000 abonnés, exactement, 21 000 abonnés, ouais, j'ai vu ça. Il en reste, je crois, 100, en tout cas, c'est un truc comme ça. Bon, ces rats géants, zombies nazis, ils font chier. J'avais réussi à les éviter en plus jusqu'à présent, donc... Allez, on va leur faire ça dans la gueule, là. Oh, fuck. Putain, ça fait mal, hein, mon truc, là. C'est là qu'on voit que c'est important de sans arrêt acheter les meilleures armes et tout ça. Parce que ça fait quand même de sacrés dégâts. Allez, Butters.
C'est vrai. Kuro qui dit, je comprends pas comment un gars qui pète autant, qui pète toute la journée peut avoir autant d'amis. Mais bon, c'est des amis Facebook. Hein. Des amis Facebook, c'est pas vraiment des amis. Hein. Je suis niveau 15 déjà. Je suis niveau 15. Ah, là, il y a un sac. Attends, tu veux pas être mon ami sur Facebook, toi? Alors, hop. Tire. Allez, en avant. Allez, tac. Alors... Attendez, si je fais ça, ça va peut-être leur rouler dessus. Ah merde, ça les a tous ratés. Ah, fuck. Bon, les gars, vous n'auriez jamais... Oh, le fou, il a ma lame. J'avais l'épée là avant. Mais putain, il m'a one-shot, ce con. Ok, bon, moi, j'ai pas le choix. Premièrement, toi, tu reviens à la vie. C'était, voilà, poussons de résurrection. Allez, Butters. Hop, 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 en avant. Quelle est la chose la plus écœurante dans ce jeu? Répondez, bah, il y en a pas mal. Hein. Surtout, là, cet après-midi, on en a vu quand même pas mal avec les aliens et tout ça. Allez. Attendez, ils ont combien d'armure? C'est con. Ok, donc lui, on va lui faire une serbe hébraïque. Voilà, magnifique. C'est ça qu'on voulait voir. Oh, 3800, ce fou! On va les défoncer. Ah non, Butters est en train de crever, les gens. On ne va pas laisser mourir Butters comme ça, malgré qu'il nous a trahis. Et malgré qu'on l'ait défoncé. Donc du coup, on lui a montré qui c'était le maître. Allez. On va prendre une petite potion de puissance, on ne peut pas. On va peut-être faire ça. C'était bien utile, ça, quand même. Voilà, au moins ça les attaque tous les deux un petit peu, c'est parfait. Butters, il repasse derrière pour terminer le travail. Allez, un coup de marteau sur le bout du nez. Et voilà, emballé, c'est pesé. Alors, hop. Voilà. C'est bon, il y a un truc là-haut aussi. Oh, c'est fou, hein, ce qu'ils font, là. Flèche de pelouse. Ah, il y a quoi, là? À mon avis, on est ressorti de l'arbre. Ah, oh, les putains, je suis ressorti pour me faire taper par ces cons. Et si je vous ai évité, c'est pas pour vous taper dessus, hein. Hop là, retourne chez ta mère. Allez, hop, potion de puissance, on va... Quoi que... Parce qu'il faut que je garde les bons trucs pour la fin. Parce qu'à mon avis, Clyde il doit être costaud à buter. Non, je sais ce qu'on va faire plutôt. Clyde il doit être costaud à buter. Parce qu'ils ont de l'armure. Donc avec ça, je vais bien leur défoncer l'armure. Voilà. Butters, fais-moi un coup de marteau sur ce con. Hop là, dans tes dents. L'armure, je vous rappelle, c'est ce qu'il y a en haut à droite. Ce qu'on dirait, ce qu'il y a dans des cornes en fait. Et plus ils ont d'armure et moins on leur fait de dégâts. C'est pour ça qu'il faut en premier démonter ça. Voilà, comme là vous voyez, ça vient de passer à 252. Grâce à ça, ils subissent un peu plus de dégâts. Bon, à mon avis, on n'arrivera pas à le buter là. Ah si, pas mal. Pas mal, pas mal du tout, hein. Pas mal du tout. Alors là, tu habites dans le 95. Non, j'habite pas dans le 95. Non, je suis désolé. Je suis désolé. J'habite dans le nord, exactement. Ah. Putain, mais ils font chier eux avec ces cons, avec leur truc de merde là. Attendez, on va peut-être palper les... Enfin, fouiller les corps qui sont devant. On sait jamais. Avec un peu de chance, il y a... Ah, bon, tant pis, allez, tant pis pour les corps de devant. Je vois que ça veut pas. Cours! Putain. Je suis monté en haut, j'aurais déjà de la vie en moins. Ah, c'est bon.
J'ai l'impression que quand on marche, elle remonte toute seule. Ah non, c'est bon. Allez, je vais venir vous péter la gueule, vous, vous allez voir ça. Allez, viens prendre ta raclée. Ah, tu demandes à Youyou. Ah, ok, autant pour moi. Ah, non, parce qu'à chaque fois, on me demande où j'habite, donc c'est pour ça. Je pensais que c'était à moi qu'on... Ah bah, je vous laisse parler, alors. Bon, allez, bof, potion de... Attends, quoi que potion de puissance, est-ce vraiment nécessaire? Ah, putain, le sauvage, là, il fait mal quand même. On va prendre une potion de puissance, parce que... Le sauvage, il fait mal. Allez, on va lui défoncer son armure de 1264. Voilà. Hop là, dans ta gueule. Un coup de marteau. Voilà. Allez, pour la horde, viens de battre. Oh, comme je t'ai mis minable. Non, lui aussi, il a pas mal de... Il a une sacrée protection aussi. Voilà. Vous voyez, grâce à ça, hop, ils perdent leur équipement, en fait. Du coup, ils ont presque plus rien. Butter arrive derrière. Voilà. C'est vrai que ça aurait été pas mal un petit MMO là-dedans. Qu'on puisse combattre avec nos potes et tout, ça aurait pu être sympathique quand même. Allez, Clyde, j'ai envie de te défoncer. Attends, la vache, elle va où? Oh putain, ils m'ont poursuivi jusque là-haut, c'est con. Oh là 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 là. Morsure de Nabison. Oh, ça va être chiant. Putain. Avec les petits chatons à buter et tout là. On dirait trop mon chat. Hein. Dans leur façon de se tenir et tout. Des fois, mon chat, il est comme ça. Oh là 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 là. On prend cher. On prend cher, on prend cher. Non, je vais plutôt aider Butters parce que sinon il va vraiment prendre misère lui. Potion de santé. Butters, il mettra un petit doigt dans le cul pour me soigner. Bon, alors vous me cassez les bonbons. Putain, ils sont de ces... Oh. 9000 de points de vie, 3000 d'armure. Oh là là là. Ça va être un carnage. Quand je prendrai ce jeu, mes versions console, car mes parents veulent pas voir de trucs bizarres. Ouais, c'est sûr que sur PC, on voit tout, il n'y a pas de censure. Mais bon, d'un côté, le jeu est quand même interdit au moins de 18. Donc, normalement, ils devraient pouvoir tout laisser. Hein. Ils font chier à censurer les jeux, surtout quand c'est des plus de 18. Je vois pas l'intérêt de mettre un PEGI 18 si c'est pour le censurer derrière, en fait. Mais bon, ça, c'est mon avis. Putain, ils font chier. Allez, on va commencer par ça. Vous voyez, ils prennent que dalle à cause de leur armure. Ils prennent que dalle. Je vais devoir leur faire une serpe hébraïque sur tout le monde, là. Professeur K.O., ça sert à rien, Professeur K.O., ils ont trop de vie. Oh, j'ai merdouillé en plus. Grenade, non mais je crois rêver. Putain, je voulais vraiment pas me battre contre eux. Il y a des combats qui sont plus chiants que d'autres et celui-là, il va être chiant. Voilà. Potion de puissance, putain, je suis en saignement par 5, donc je vais crever dans pas longtemps. Voilà, t'as bientôt fini le jeu, j'en ai aucune idée les gens, si j'ai bientôt fini le jeu. Allez, serpe hébraïque. Allez, sur lui. Voilà, déjà, on pourra lui faire un peu plus de dégâts. Je vais faire que des serpes hébraïques, en fait, je pense. Ah, vais-je survivre? Vais-je survivre? Allez, viens me toucher l'épaule. Ah, ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien, Butters. Exceptionnel contre les armures. Donc, allez, on va tester.
Alors on va faire ça sur lui. Ouais, on a réussi. Oh putain, il faut que je tienne. Ah, dis-moi qu'il y en a un qui est mort. Ouais. Oh putain, merci Seigneur. On va plutôt reprendre de la vie parce que si lui je le perds... Non, 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 on va... On va soigner Butters, comme ça Butters, il pourra me heal juste après. Je vois même pas le live. Juki, c'est parce qu'à mon avis, t'es sur la mauvaise page. On est, je stream sur Gamer Connection. Allez. Alors, un de mouru, lui. Il reste le chat. Oh, putain, ça fait du bien. Il n'y a plus que les chats butés. Ces bâtards de chats, là. Putain, et les chats qui font des saluts nazis, j'ai jamais vu ça. Non, on va plutôt envoyer ça. Pour enlever de la vie un peu à tout le monde. Ah merde, j'avais oublié qu'ils avaient une armure de fou. Yes! Putain, ils crèvent tous un par un. Allez, une petite tape sur l'épaule. Voilà. Attention. Voilà. Alors, il y a combien lui? 1200, non, on va lui faire un petit Ezekiel. C'est un serp hébraïque, je sais pas pourquoi je dis Ezekiel en plus. Voilà, comme ça. Voilà, one shot, c'est fini. Oh, putain, le combat de fou. Le combat de malade mental. Putain, je vais en avoir des épisodes hardifs après. Oh putain, enfin. On va sauvegarder, parce que j'ai aucune envie de refaire ce combat. Voilà. Ça, on supprime. Ça, on supprime. Ça, on supprime. Et on va sauvegarder deux fois. Voilà, comme ça, vous voyez, il y a deux fois la même sauvegarde. Toujours, on sait jamais, un bug, ça peut arriver, le jeu qui crash, un truc comme ça. Et ben, moi, je peux vous dire, on sera bien content. Ok, ça sent le cri du dragon peut-être? Non, à mon avis, ça sent le Nagasaki. Oh. Ça, c'est de l'explosion, ça. Ah, super, il vient de m'aider. Merci. Merci, mes amis, merci. Oh. Enfin, ça sent l'approche du combat final, les gens. Ok, les gens, 42 minutes, on se laisse là-dessus. Fin de l'épisode 17, on se retrouve juste après pour l'épisode 16. Tchou, bonne